comté de Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serai content d'arriver. T'es nerveux? Je sais pas ce que je ressens. La route s'arrête là. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Il s'est passé quoi entre vous? Comment ça? Tommy et toi? Si vous êtes préparés... C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben... Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec... Allez, on continue. Je vais trouver un truc. Ok, Ellie, il faut que... Je sais, je grimpe sur sa foutue palette. Allez, vas-y, tourne.
équipe. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain naturel, je fais pas tête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Comment ? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu le connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, merci, Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange de tout. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez.
sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr ? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et niveau sécurité ? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein ? Comme partout. On peut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Oui, j'aime bien l'avoir ici. Deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas ? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok. Disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. À gauche. Faites gaffe. Ok, c'est bon. Doucement. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Ils nous donnent à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir.
Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là? Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Les laissez pas entrer! Ces fils de pute! Faut qu'on rejoigne les filles! Je te suis! Joël, à toi, tu...
La petite est avec moi. C'était bien trop chaud. Ça va? Ouais, ça va. Joël! Oh merde! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables. Calme-toi, écoute. Hé, tu es blessé. Non! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui? Hé, qu'est-ce qui se passe? Que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Et alors, est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Je connais ces routes. Je suis allé là-bas. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où? Viens! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement. Faites attention. Là. Ouais. Tu vois ces traces? Allez. Allez. Elle peut pas être loin. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Tu fais souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Elle est pas passée par là. Là, d'autres traces. Combien t'en vois? Il y en a beaucoup trop. Fais le tour, je te couvre.
Va laisser un œil ici. Va voir de ce côté. Où est Patrick? Viens, on file aux chevaux. Les traces continuent par là. J'espère juste qu'ils n'ont pas trouvé. C'est notre cheval, elle doit être là. La voie a l'air libre. Sois prudent. Elle est... discutiez.
Voilà une de ces BD. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf. Sauf toi, merde ! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Tu vas me le payer. Derrière. Tiens.
C'est bon. Y a plus personne. Allez, on retourne aux chevaux. C'est bon. Tu veux de l'aide ? C'est bon. Vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les Bighorns. Ellie, descend ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Alors on donne le ballon à l'équipe adverse ? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Reste ici, Durillon. Puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durillon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Durillon. Ok, ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus.
j'ai bien compris. Les gens habitaient ici et étudiaient, alors que c'était des adultes. Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Voyons ce qu'on a là. Ça devrait nous aider. Allez, va-t'en. C'était cool. Je reste avec Durillon. Je déteste ce nom. Tu crois qu'ils sont très nombreux ? Je parle des Lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge ? J'en suis pas sûr. Avec le cheval. Je vais vérifier. T'es sûr ? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite.
J'aurais voulu être astronaute. Sérieusement? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut? Ça aurait été quoi? C'est tout. Et toi? Tu voulais faire quoi? Ah. Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir. Chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Ouais, et il y en a un paquet. Allez. C'était vachement cool. Première fois que tu vois un singe ? Ouais, c'est la première fois. On aurait dû croiser quelqu'un, pas vrai ? Peut-être que ces types préfèrent se faire discret. Ouais, peut-être. Hé, hey, regarde! Les lucioles. Allez, on va essayer la porte. Je reviens tout de suite. Je reste là. Je me demande combien de temps ils ont tenu. Merde, des sports.
encore désinfecté, je vais bien. Viens ouvrir la porte. Essayons la porte. Ah, t'as réussi ! Ouais. Allez, passe. Allez. C'est ta cœur. Allez. C'est des lucioles, tu crois ? Non. Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo ? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. En route. Allez, file. Hé, là-bas, alors. Ouais, ça ressemble à une entrée. C'est pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil.
dirait un bon emplacement. Luciole! C'est le remède de l'humanité! Y'a quelqu'un? On ferait mieux de rester discrète tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés.
Idée luciole. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Il dit pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Oh ! Putain, mais c'est qui, ces types ? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Je vais te buter. Whoa!
mon poteau. Merci pour ton like. Comment vas-tu? Écoute, ça va super quoi. Sale enfoiré. Bientôt le week-end. Bientôt le week-end quoi. Demain je bosse. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin? Salope. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va.
te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu rêves. Reste là. Je vais ouvrir. Prends ton temps. Allez. Et voilà. Allez. Monte sur ce cheval. C'est bon. Tu peux monter ? Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. T'es passé où ?